Nous allons vous décrire la fabrication d'un granulé AQPR FA18. Tout d'abord, nous allons définir un granulé. C'est une préparation solide destinée à la voie orale, obtenue en agglomérant les particules d'une poudre sous forme d'éléments plus ou moins volumineux et de formes plus ou moins régulières. Dans cette fabrication, nous sommes en présence que d'excipients, qui sont le lactose et les amidons, maïs et blé. Le principe actif sera ajouté après la fabrication du granulé inerte. Souvent, une imprégnation du granulé par le principe actif est réalisée. Les excipients permettent d'augmenter le volume pour faciliter la prise du médicament. C'est le rôle de diluant. De plus, le sirop a un rôle de liant, c'est-à-dire qu'il permet aux particules de poudre d'adhérer entre elles. Le but du mouillage est de lier les poudres entre elles. Les poudres sont mélangées dans le mélangeur planétaire afin d'obtenir un mélange solide-solide homogène. Puis nous allons ajouter le sirop afin de réaliser l'opération unitaire du mouillage. Il s'agit d'humidifier les poudres sous mélange constant. Les poudres humidifiées sont capables de s'agglomérer entre elles. Cela favorise leur adhésion et permet d'obtenir un granulé homogène constitué de poudres liées. Voici le mélange de poudre avant le mouillage. On peut constater que le mélange de poudre est homogène. Le mouillage se fait avec le liant préparé. Le liant sera délicatement incorporé grâce à un guide, tige en verre, sous agitation constante pour les débutants. On peut aussi l'incorporer simplement, comme montré sur la vidéo. Il va se former au fur et à mesure un mélange de poudre humidifiée. Le mouillage doit être progressif. Et il n'est pas forcément nécessaire de mettre tout le liant fabriqué. Voici une photo du résultat attendu en fin de mouillage. Ce mélange ressemble à une pâte à crumble. La mesure de la quantité de liant ajouté au mélange de poudre se fait par calcul. Tout d'abord, on pèse la capsule vide notée M1. Puis après avoir fabriqué le liant, on pèse la capsule pleine de liant, on note M2. Une fois le mouillage terminé, on pèsera le reste de la capsule notée M3. La différence entre M2 et M3 nous donnera la quantité de liant introduit dans le granulé. Afin d'obtenir un granulé de taille homogène, une opération unitaire de granulation est nécessaire. Il faudra pour cela utiliser un granulateur, dont on choisit la taille des mailles des grilles en fonction de la taille du granulé voulu. Dans notre cas, le choix se fait entre 1 mm ou 1,6 mm. La granulation va être réalisée dans le granulateur. Le principe est le suivant. La poudre, humidifiée, va subir une pression par cisaillement et va traverser une grille. Cette grille va permettre de réduire la taille des grains et de les rendre homogènes en taille. Voici la démonstration du fonctionnement du granulateur. La poudre humidifiée est introduite dans la trémie. Puis la machine va pousser le mélange de poudre par un phénomène de cisaillement à travers la grille choisie. Le granulé formé est récupéré dans un bac en inox dans lequel on le fera sécher ensuite. Voici le granulé inerte après séchage. Bonne fabrication !